donc ça, des enfants. Coucou. Bon, je commence ce vlog. Bon, déjà, remise de mes émotions d'hier. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Ça devient vraiment pénible. Plusieurs matins, on peut dire même plusieurs nuits, je me réveille à 4h51. Et je me réveille en mode, bah, il est l'heure, quoi. Mais pas du tout. C'est bizarre, mais je sens comme une oppression, comme si j'étais... Je pense que ça joue, quoi. On sort beaucoup moins. Moi, j'ai l'impression que je ne sors plus. Je me sens ankylosée. J'ai mal aux jambes. Je marche plus. Et le peu où tu vas dehors, bah, tu respires pas. Tu peux pas, tu vois, comme on dit, il faut s'oxygéner. Ouais, mais avec le masque, c'est pas possible. Il faut que je marche. Là, cet après-midi, je vais pas faire de sport, mais je vais sortir. Il faut que j'aille à la poste. Il faut que j'aille... Tiens, je vais aller voir ma coiffeuse. Elle m'a dit début, comme je vous avais dit. Juste, elle regarde, elle me dit, ah, là, tu vois. Et j'ai un rendez-vous. Ah, mais oui, mais alors. Ah, oui, alors. Il est 2h30 passé. Eh oui, ben, ce matin, c'était montage du vlog, miniature, blablabla. Vous commencez à comprendre. J'ai un rendez-vous. Quand je dis j'ai un rendez-vous, il faut comprendre en ce moment, téléphone, à 3h30. Donc, c'est un peu juste là, pour une heure pour aller à la poste. J'ai pas envie de speeder en tout. Donc, à la limite. Ah, oui, mais alors après, c'est confinement 18h. On va voir. Je vous ai pas montré hier, je vous avais parlé de. La Birchbox, pareil, je vais juste, on va l'ouvrir ensemble en 2-2. Je vous montre en gros les produits parce que ça peut être intéressant déjà pour voir si ce sont les mêmes que vous ou pas que vous. Et puis pour vous montrer un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, cette petite. D'ailleurs, quand je faisais le montage hier de mon vlog avec Amélie, on se sent con, hein. J'avais tellement, comme je vous disais, de trucs à lui dire ou... Puis t'es là, t'es... Ah bah merde. Hop, je vous mets ici vite fait et puis on va... Oh, bonjour mon saké. Alors, bon déjà elle est mini, hein. C'est... Regardez, pas. Bah tiens, par rapport à une box, elle est plus petite. Voilà, ici. La carte I love me, toujours de la graphiste. Ah là là, alors là oui, tout de suite. Il savait pour mes problèmes de, de cernasse. Grace and Stella, jamais testé, nickel. Anti-rides, énergisant pour les yeux, c'est parfait. Ça, par contre, je dis non. Ça va pas du tout. Alors là, échantillon, non merci. Pareil, qu'est-ce que c'est? My Makeup Remover. Baume démaquillant. Ah, ok. Bon, testé. Fenty Beauty by Rihanna. Ah, c'est un crayon pour sourcils. Bon, on va être carrément dans mes couleurs. Produit pour les yeux. Algologie, je connais. Bon, ça va parce que c'est pour les yeux, donc c'est très bien. Mais je l'ai déjà eu plusieurs fois. Ça. Deux disques démaquillants, alors ça non, ça je n'utilise pas et c'est pas un truc qui m'éclate quand j'ai ça dans une box. Donc voilà, le petit détail je trouve très joli, Take Time For Yourself, quand les fonds de boîte comme ça sont illustrés. Voilà, bon, c'était rapide, je vous l'avais dit. Pourquoi tu fais flou, quoi? Changement de programme, c'est pas 15h30, c'est 15h, il est 47, 14h47, donc autant dire que j'hésite plus. Je reste là et j'attends, quoi. Je vais faire ça en montée, ouais. J'hésitais avec un whisky, mais ça va, je rigole. Ben voilà, avec ma tête de déconfite, il est 4h10. J'ai terminé mon coup de téléphone et tous mes mails. Enfin, j'ai terminé la première partie. Je vais à la poste avant que ça ferme. Je vais marcher vite fait. Je passe, si j'ai le temps, voir la coiffeuse. Après, je rentre et je continue. Je me remets au boulot. Bonsoir. Oh là là. Je suis obligée, je vois que dalle. Ça fait de la buée, je n'ai toujours pas compris le délire. Alors, j'ai récupéré petit paquet, enveloppe à la poste. Je suis passée chez ma coiffeuse qui m'a dit « Oh là là, ils ont bien éclairci !» Donc demain, rendez-vous pour tester le nouveau produit éclaircissant, mais toujours en phase de test, c'est-à-dire que ça va être sur une mèche. Je préfère aussi, c'est trop risqué, elle aussi. Elle est très prudente, elle est très pro. J'ai rendez-vous en fin de journée. Donc au moment où vous voyez ce vlog, j'y serai encore, ou j'en sortirai, ou je serai en train de me faire verbaliser, on ne sait pas, parce qu'il sera 18h, on ne sait pas, c'est ça qui est dingue, on ne sait plus. C'est moi, c'est maman, il y en a partout ici. Je vous l'ai déjà dit, hein, que Jack est certainement un cousin ou un frère, puisque je l'ai récupéré. Et bonjour. Oh, ils sont en pleine forme, et ils sont nourris tout le temps. Hein. Salut ma maman. Je vais... Ça me fait toujours rire quand le truc ils ont faux. J'ai plus de masque, c'est le dernier. Je les ai tous utilisés, n'empêche, ceux que j'ai aérés. Et ouais, je n'en ai plus. Il faut que j'en rachète parce que moi c'est en tissu, je ne respire pas.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah Eric, lui, il a eu des nouveaux parce que les leurres que l'éducation nationale leur avait données n'étaient plus aux normes non plus. Et il en a qui sont très bien, mais il me dit, je respire pas avec, c'est vrai qu'ils sont hyper épais. Et ça doit être chaud quand même, hein. C'est vrai. Et surtout que je pense que les gamins, c'est pareil. Tu dois pas, ils doivent pas entendre ce que tu dis, quoi. Parce qu'il y a quand même. Il y a un brouhaha dans la classe quand t'es loin. On se retrouve le lendemain, nous sommes vendredi, il est 10h30, j'ai bien avancé encore ce matin, vous avez vu, je l'ai mis, moi qui étais un petit peu dans le doute avec ma couleur, bon ça passe, il est quand même très sympa. Je vais commencer, enfin j'allais dire ce vlog mais non puisqu'il y avait hier, en vous donnant un petit tips, un petit conseil qui moi, je ne l'ai pas testé, on va le tester ensemble. Pour ceux qui portent des lunettes, mais même ceux qui ne portent pas de lunettes et qui ont dans leur entourage des gens, t'as toujours quelqu'un qui porte des lunettes dans ta vie et qui en ce moment galère avec ce masque et la bœuf et tout. Moi c'est mon cas, vous le voyez à chaque fois, j'en ai marre. J'ai pas testé, je vous dis, on va tester ensemble une astuce et si ça fonctionne, mais génial. En fait il faut un savon solide. On va tester juste sur un verre, je vais mettre le masque, je vais souffler et on va voir. Alors, j'espère vraiment que ça va marcher, déjà pour moi et puis pour pas passer pour une imbécile. En même temps, c'est pas moi qui ai inventé l'astuce. Il faudra un savon solide, comme ça, que j'ai au préalable humidifié. Donc on le fait juste sur ce verre. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Et ensuite, je viens essuyer avec du sopalin la partie. On sent quoi ça glisse. Alors après, à voir, parce que même si ça fonctionne, à voir sur combien de temps ça va durer. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je vois toujours bien. Je vais chercher un masque. Voilà, petit masque. Comme ceci, on va se rapprocher. Attends, je vais mettre là. Je vais dehors. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas faire? C'est pour la bonne cause, les amis. Ouh, ça caille. Eh ben, ça marche super bien. Ah oui, c'est impressionnant. Par contre, ça fait loucher parce que t'as vraiment la buée. T'as vraiment la buée de ce côté-là. Je ne vois pas. Et là, c'est hyper clean. C'est pas mal tout ça. C'est même très très bien. Bon, bah maintenant, je vais faire sur l'autre, hein, forcément. Bon, c'est très bien tout ça. Très prometteur. Aujourd'hui, enfin fin de journée même, c'est coiffeur. Je vais lui demander qu'elle m'en fasse une encore sur la frange. Et une autre dans les cheveux. Il prouve que je ne vlogue pas beaucoup cet après-midi, mais que j'enchaîne directement avec le coiffeur. Parce que vu le boulot que j'ai encore aujourd'hui et les jours à venir, c'est vraiment ma priorité en ce moment, vous l'aurez compris. Hop, allez. Ah si, attends, je voulais vous dire... Je cherchais un nouveau truc à regarder sur Netflix et je suis tombée sur Yummy Mummy Melbourne. Donc ça se passe en Australie. Et ce sont, bah, des, comme le nom l'indique, des mamans, soit qui sont enceintes, soit qui ont leurs enfants. C'est un petit peu quand même un autre monde. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur la même planète que nous, c'est démesuré. Et le truc, c'est que... c'est des comédiennes, enfin, c'est quand même très indécent et tout, mais alors c'est tellement pas choquant, mais un peu quand même, que bah, j'ai tout regardé, enfin j'ai regardé toute la saison 1. Dites-moi si vous aussi vous l'avez vu, faut vraiment le prendre au dixième degré, quoi. Je viens de me monter mon petit repas, comme ça je vais pouvoir bosser en même temps. Alors ça c'est Weight Watcher, alors forcément il y en a qui me disent tu fais, je fais non, pas du tout, c'est juste que bah, j'adore, je trouve qu'ils sont bons, ils sont A en Nutri-Score, et ils étaient en promo. Allez, je retourne au montage. C'est l'heure pour moi d'aller chez le coiffeur. Ça marche, du tonnerre. Hein. Il n'y a pas de buée, c'est formidable. Je viens de sortir chez le coiffeur. Bah, il est 18h, ça sonne. Et je leur ai dit, bah, laissez tomber. Hein. Parce que... les cheveux sont tout mouillés, on n'a pas eu le temps de les sécher. La police passe en fait devant les salons et bah, ils peuvent avoir une amende s'ils continuent à s'occuper des clients et s'ils ne ferment pas. Voilà, donc on a fait le test et ça marche très très bien. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est une devant et une derrière. En fait c'est
le même produit pour faire des mèches, mais c'est ce qui va se passer au bac qu'elle va mettre sur la mèche qui va faire que ça va réparer en fait. Et mon cheveu tiendrait. Donc, soit mardi prochain, je fais toute la tête, soit un peu plus tard. Mais c'est possible que ce soit mardi. Et sinon, je pense que vous l'avez compris. Je vais arrêter maintenant ce vlog. Je rentre vite chez moi. Quoique les gens, ça se balade. Il est 18h02. Et voilà, je vous fais un gros bisou et je vous retrouve demain. Ciao, bisous, salut.